Darabi, pas pareil. Darabi, policier même. C'était Europe là, ils vont Darabi, les... Et puis après, bon, Darabi, ils vont les amener. Le roi de la paix, c'est ce mec qui a l'affaire en main là. Lui-même là. C'est-à-dire, vieux père est tellement cool. Tu peux pas imaginer. Darabi, si tu causes à lui au téléphone. Tu n'as pas cru en fait. Lui-même, ça le fait rire en fait. Il dit, oh, vous m'appelez seulement. Mais vous dites que vous êtes tous des insulteurs publics. Non, parlez à la fille. Je reviens par moi-même, me dit, mais elle n'a pas. Ah, vous ne connaissez pas sa maman, vous ne connaissez pas son papa. Partez voir son papa, ils vont lui demander pardon. En fait, ça fait tellement. Jepel n'a pas de problème. Il dit, lui, dès que Gol a retiré, la preuve, quand Saint a retiré sa plainte là, non, le Saint est sorti dedans. Il dit, dès que Gol a retiré sa plainte, lui pour lui est fini. Mais tant que Gol a retiré pas sa plainte, lui, oui, c'est trop cool, il est trop humain. Allez, m'en connaît. Allez, m'en connaît, ma petite. Il dit, il ne faut pas être désabonné à moi. Ton visa, André, chose, Aristide Bansé, oh, oui. Ici, ton camarade. Tiens, Darabi, on a demandé pardon à quoi de faire. Deux jours, Darabi, on t'en parle. Imbécile. On jamais parle. Soldat, même, il est au bar, il dit, soldat, on a trouvé solution. Voilà ça, voilà ça. Il va laisser son bar, il est ici, panel. Quelqu'un même qui a effacé. Il faut laisser Ali m'en connaît sa causerie. Elle lui donne une causerie, son visa, ça. Là, il pense son ami. J'ai dit, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Jarabim, mon élément, tu vas bien, non? Oui, ça va. J'ai dit, moi-même, si je vous dis que l'histoire, mais je connais ni Yannick, ni qui que ce soit, mais moi, je suis très sensible. Depuis avant-hier, j'ai vu que Jarabim a fait un live. Dans la non, vie, il a dit, non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Ok, il y a quoi? Moi, je connais qui peut aggraver quelqu'un, il pas ici. Il veut m'exprimer parce que c'est même pardon que je t'ai demandé là. Tu as fait live pour. Le live même, c'est pour aggraver. Et sinon, on ne doit pas monter venir parler. Soit on demande pardon, ou soit d'autres vont venir s'énerver forcément, tu sais très bien. On a tous des êtres humains. Moi, je ne connais ni Yannick. Si le panel est là, il y a au moins peut-être deux ou trois personnes que je connais. Mais c'est une histoire qui est sensible. Moi, juste le jour, quand on parle de prison, ça me fait tellement de peine, tu ne peux pas comprendre. Moi, je suis monté pour dire à la fille qui a la plainte là, ma chérie, moi, je suis à genoux, tu ne me connais peut-être pas. Mais dans la vie, ce qu'on fait aujourd'hui là, ça nous rattrape demain. Nous tous, je peux parler. Nous tous, on est ici là. On fait peut-être des choses qui peuvent nous condamner. Mais on n'a jamais reçu peut-être de plainte. Moi, je suis venu monter ce panel. Un discours que c'est à cause de pardon. Parce qu'il y a vu que depuis combien de jours les gens demandent pardon. Le pardon qu'il est divin. Même le monsieur Samassé Koula, depuis le voir son live, il essaie d'expliquer, demander pardon. Voilà, il monte sur la Darabi ici. Au bout d'un moment, quand les gens sont en train de dire qu'ils en ont amassé, c'est normal. On demande pardon jusqu'à. C'est quel pardon? Souvent, même à la dame, on jase son enfant. Et puis on dit pardon. Puis elle dit je laisse à cause de Dieu. Il n'y a pas une mort d'homme. C'est quel pardon pour pas le demander? Ma chérie, pardon, tu es femme dans la vie là. Tu peux verser, arracher, puis tu as mis mon pour 10 ans, tu n'as pas quoi. Il faut laisser. Il faut laisser on gros cœur. Quand il n'y a pas l'envie, c'est le ménage. On est dans Abidjan, non? On est dans Abidjan, non? Il y a foi. Il y a des gens qui sont en prison seulement. J'ai vu le nom, il y a des gens qui s'appellent David aussi. Bon, depuis, ils étaient sur live. Bonjour, excusez-moi. Mais pourquoi t'es là, Nakaye? J'étais sur le live du gars David là, hier. J'avais dit, juste un moment, je commentais pour dire, on sait que pardon, te demande pas. Mais il y a vu que le temps te dit, c'est-à-dire que lui-même l'appuyait là-dessus. Mon frère David, il a dit, on vous demande pardon. Peut-être que vous avez bras longs que nous, on n'a pas. Mais, et puis, c'est comme il entend une histoire du jeune, ça me fait tellement mal, il n'a personne. Même lui-même, ça m'a assez content de demander, quand il est en train de l'aider à sortir là. Lui-même a dit, David l'a insulté, Yannick l'a insulté aussi. Mais mettez-vous, prenez l'exemple de ceux qui l'ont insulté, ils ont demandé pardon pour lui. Ils vont le déférer, ça va vous donner quoi? Ils vont le mettre à la marque, ça va vous donner quoi? Moi, franchement, on fait même quelqu'un, il peut pas. Moi, mais il va à la police, mais il y a peur des gens qui sont en cadavre, il y a peur de, il n'aime pas la prison. Ça m'est traumatisé, il n'a jamais mis à la marque, il ne souhaite jamais aller me rendre visite à qui, il y a peur de là-bas. Donc, faut penser, tu vas manger, comment tu as pensé que tu as fermé ton frère en prison? Quand on passe, c'est pas mon frère, et arrêtez ça. Ma chérie, elle te demande pardon. Faut te dire que tu as une mère, faut te dire que ça peut être mon fils, on ne sait jamais. Mais il n'a pas encore, on fait pas mon enfant demain. Il faut retirer ta prison. Attends, pas maman. Non, Elkana. Attends, Elkana. Non, Elkana. Attends, ça me demande pardon. C'est bien de insulter quelqu'un. Ils sont des filles de pardon. Faut pas mettre ce genre de commentaire. Non, Elkana. Non, faut pas mettre ce genre de commentaire. Non, Elkana, depuis que je t'écoute, je ne parlais pas, mais depuis je t'écoute. Attends, tu sais le live. Non, attends, Elkana, écoute-moi. Le live a été lancé. Mais Elkana, il y a quel problème? Attends, Elkana. Elkana, le live a été lancé. Laisse. Mais c'est pas là pour toi. C'est qui t'a donné fait le live? Qui a dit ça va rien changer? Non, on est juste pour aller le faire sortir en même temps, quoi.
Pardon, mais toucher le cœur de la fille. La vie, mais faut parler. On ne sait jamais dans la vie, ça peut toucher le cœur de la fille. Elle ne me connaît pas, elle ne connaît ni Yanni. Moi, mais je ne connais même pas vous, tout le groupe, vous ne connaissez pas. Mais si vous ne me connaissez pas, donc le pauvre jeune. Personne n'a groupe ici, il faut parler. Ok, Jarabi, je vais me muter parce que là, il y a Lily, merci, tu as bien parlé même. Tu as très bien parlé. Mais c'est qu'elle a dit, ça pour le moins dit depuis tout à l'heure. Même quand elle s'est montée, c'est qu'elle a dit. Elle a bien parlé de quoi? Il y a Séni qui allait rencontrer notre frère. Attends, Alex. Qui est là? Qui est cosmétique? Toi, il y avait ton père, il s'est appelé. Quand il y a eu Paki, tu n'étais pas vu. Hein. On ah non, je ne devais pas sortir. Au okay. Fait, moi, je ne sais pas ce que c'est. Pour faire sortir, moi, dans ton nez, tu as sorti, non? Non, ça, pardon. Pardon. Voilà, donc du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous aussi, là. Mm-hmm. Reconnaissez que quand d'autres personnes font, là, non? Quand on publie sur les réseaux sociaux, là, il y a d'autres personnes qui vont aller dénigrer les personnes en bas. Quand ça concerne, on pose pas les vilaines femmes. Vous voyez. Mm-hmm. Maintenant, quand ça concerne nous les athées, quand on coupe, on va prendre convocation ou bien on va porter plainte. Et puis quand ça va loin, vous venez demander pardon. Mm-hmm. Oh, aussi là, c'est les abonnés qui ne sont pas bons. Maintenant, moi, je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce qu'il a vécu un peu ça ces derniers temps. Donc, ce que moi, je peux dire, c'est pardon, ma chérie, on se connaît pas. Voilà. Donc, du coup. Mais vous, là, vous n'êtes pas fatigué, quoi. Il y a quoi? Attends, il va parler. Attends, non, Jarabi, c'est aux hommes, ils ne sont pas fatigués, quoi. Attends, qu'il va parler. L'argent. Arrêtez-moi, pardon, si vous n'êtes pas là, là, venez pas nous saouler. Il y a quoi, mais qui veut l'argent? Parce que moi, j'ai commencé là, il a dit que je ne maîtrisais pas le sujet. Mais tu n'as pas de descendre un peu. Mais moi, je n'ai pas de l'argent. Arrête-toi, là, pardon. Eltana, vous avez besoin de qui? Eltana. Eh, mon fils, il faut lui laisser parler. Lui qui t'a allumé, c'est grâce à moi, il a coupé son live, il a arrêté ses bêtises. Tu vois, il parle de toi encore, ça fait un. Quand tu connais pas une histoire, faut t'éteindre, tu écoutes. Maintenant, Alès, moi, c'est pas monté pour toi, mon frère. Faut faire tes lives tranquilles, on se connaît pas. Ouais, Alès, c'est pas monté pour toi. Moi, tu vois, pardon, ça n'a rien changé. Elle avait 1 million, non? Là, là, c'est moi, on coupe. Ça va, Soko! Si on doit continuer, ça va, Soko! Oui, oui! Ah. Ouais, je suis parti, non? Ouais. Il y a négocié quelque chose. Il faut venir, mais. J'ai donné la nourriture là. Ouais. Et vous qui êtes sur le live, et puis vous avez vos parents qui vont dans la rue là. C'est affaire là, sérieux. Hein? Hey. Hein? Ouais, donc il y a beaucoup de. Oui. Affaire là, sérieux même. Ceux qui vont dans la rue là, il y a beaucoup qui ont été arrêtés, mais affaire là, sérieux. Je suis en train de sortir comme ça. Donc là. Vieux, tu l'as vu là, il ne sait pas de combien. Il ne sait pas de comment. Il ne sait pas de bien. C'est un garçon. Ouais, il ne sait pas de bien. Mais est-ce qu'il est minoté? Il est comme moi, il est comme en Libye, c'est là-bas, là. Il est minoté? Non, il n'est pas minoté. Mais est-ce qu'il est dans celui-là? Non, il n'est pas dans celui-là, non, il ne pense pas. Il est dans celui-là. Le coin est grand, c'est clôturé, il y a gris, tout ça là. Sinon, il n'est pas minoté. Non, je n'ai pas minoté. Non, les autorités font pas ça. Demain, ils vont les déférer, mais tu n'as pas de nouvelles, c'est ça. C'est pas eux qui donnent le truc, elles ne gardent pas les gens ici. Si on doit les déférer, les joueurs arrivent, on les défait. C'est pas eux. Mais on aura appris que c'est demain, ils vont les déférer à la Maca, c'est vrai? Ah, c'est que c'est demain, ils vont les déférer. C'est demain. Non, pas. Ils n'ont pas. C'est ce que la Maca dit. Lui qui a l'affaire là. Pour l'instant, c'est pas ta point. Ils n'ont pas droit à faire 5 jours chez eux. Qui est en train de prendre l'argent là? C'est à qui on donne l'argent là? Il n'a pas droit à faire 5 jours chez lui. Qui parle? Il faut aller faire ça ailleurs. On doit laisser ton téléphone. Là, on ne va rien donner. Il va sortir ça là. Voilà. Même d'avoir un coup de disparaît. Non, vous cotisez. Tout le monde parle dans ce live. Au fait, c'est vos paroles là. Au fait, moi, c'est dit là. Mais moi, t'as pas de connexion. Il y a des gens qui vous disent quoi. Quand vous faites votre live, faites votre live tranquille. Moi, je ne suis pas monté pour quelqu'un. La première fois, il m'a manqué de respect. Elle l'insulte et puis elle a porté plainte. Il m'en fout de quelqu'un ici. Il vous respecte. Donc, le respect, là, c'est mutuel. Il n'y a pas manqué de respect ici à quelqu'un. Votre petit, vous parlez, nanani. T'as été là pour quoi? Ici, là pour vos parents. Elle n'a qu'à dire mon nom. Il va voir ce qu'elle lui dit. On est là pour la même cause, non? On est là pour la même cause ou pas? Vous parlez depuis là, c'est la même chose. On ne va pas cotiser. Elle n'a qu'à le libérer. Pardon, on s'en fout. Vous montez, pardon. Moi, je suis monté demain, pardon. Depuis lundi. Il y a quoi? Il y a quoi même? Il y a quoi? Tiens, pardon, ça finit pas quoi? Elle ne s'est pas accepté, pardon. Pardon, ça finit pas. Venez pas nous saouler, les tatas.
On va pas cotiser 1 million. Ekana. Ekana. Non, moi, c'est pas énervé, mais ça devient saoulant même. Ça devient saoulant. Depuis lundi, quoi. Elkana. Elkana, c'est Livy Blessing. Moi, l'histoire, là, oui, Jarabi, qu'elle est jamais montée, de lui demander pardon. C'est la première fois que je me demande pardon. Parce que j'ai vu que depuis, je regarde le live de Jarabi, vu qu'on est abonné. Je regarde, j'écoute l'histoire. C'est pas, je suis une femme, et puis j'ai un cœur, je suis un être humain, que j'ai de la peine. Je me suis dit que je peux aussi monter, demander pardon, vu que la vitesse de live. On ne sait jamais dans la vie quel pardon qui peut la toucher. Dans la vie, on ne sait jamais. Dans le fait que nous, on monte, je ne mets pardon, c'est pas mauvais. Mm-hmm. Même si vous, vous êtes fatigué, moi, j'ai vu, depuis le monsieur, ça m'a secoué. Je vois, des fois, les gens demandent pardon. Depuis, j'ai jamais demandé pardon qu'elle est fatiguée. Mais si nous, on monte, venir mettre notre grain de sucre dedans un peu, pardon un peu, là, ça fait rien. Peut-être que c'est mon pardon, mais un peu la toucher, elle dit, bon, à cause de la dame, c'est à cause de cette dame-là, il laisse. Ou soit, demandez, c'est pas mon vrai demander pardon. Donc, on va faire comme si c'était quelque chose de mal, j'avais là, parler comme si on a dit quelque chose de mal. Nous faisons non, l'avez moi des copains, mais pour me comprendre, c'est depuis lundi, hein. Arrête de me, même, il y a les moments. Il y a les moments, eux, mon diamant, là, les vieux moments, John, en PV de mousson, pardon, faut se tenir. Si c'est petit. Je sais qu'elle est fatiguée, même le monsieur, c'est pas lui, on a dit qu'il en a massacré, pardon, qui finit pas. Mais vous êtes fatigué, on peut venir demander un peu pardon, on sait jamais où. Vendredi, c'est vendredi qu'on déferre, les gens ont déferré, le gars, c'est déjà mort. C'est le vendredi, ils aiment déferrer. Vendredi, va pas, ça veut dire pas le trouver là-bas. Vendredi, vont le déférer, sinon quoi là-bas. On demande pardon, on ne sait jamais, vu qu'elle dit qu'elle prend plus l'argent de quelqu'un. Donc, on va demander pardon. C'est tout ce qu'on peut faire, sinon après ça, on peut faire quoi? Moi, je le connais même pas pour dire que le truc, mais il demande mon pardon quand même, on ne sait jamais dans la vie, c'est tout. Tu vois, non? Sinon, c'est pas mauvais, quoi. Oui, continue de parler avec Davila au téléphone, comme tu le fais. C'est quoi? Il est quel même à Abidjan en ce moment? Continue de lui parler pour qu'elle puisse accélérer l'affaire, parce que c'est demain vendredi, là. Demain, c'est vendredi. Franchement, on veut pas ce qu'on voit, là. On veut pas ça. Donc, s'il vous plaît, laisse Samasoko qui a le numéro. À cause de ça, mais je veux que lui, Samasoko, lui, sincèrement, je sais qu'il peut avoir toutes les raisons qu'il dit, parce que c'est normal, il doit se défendre aussi, il s'est défendu, mais je sais que il parle aussi avec la fille. Je sais qu'il peut calmer beaucoup de choses. Je sais que Samasoko a cette possibilité-là, vu que c'est Samasoko même qui a mis Seni sur le truc. Donc, Samasoko veut la fin de ce truc-là et il veut une bonne fin. Donc moi, je dis sincèrement, continuez. Samasoko, Seni, continuez, n'arrêtez pas. Parce que je sais qu'elle est, elle est ouverte quand même. Elle est ouverte. Donc, continuez. Appelez-la. Ok. Non, mais oui, ça y est. Je n'ai plus de mots à dire. Jarabi, je peux parler? Oui, on t'écoute. En fait, ce que moi je voulais dire, c'est que depuis le début, le vieux père Seri est en train de dire la vérité. Vous êtes en train de demander pardon à une fille parce qu'il y a un gars qui est en prison et qu'il a des enfants et tout, ça risque de gâcher sa vie. Le vieux père Seri vous dit que d'accord, on est en train de demander pardon, bien vrai que la fille n'a pas accepté. Ça m'a sauvé, lui, il a appelé la fille et la fille lui a dit qu'elle a besoin, elle veut 1 million avant qu'elle va retirer sa fille. C'est ce que tu as entendu. Mais c'est ce que... Tu es une menteuse, espèce de menteuse. Moi, je suis jolie que ton mari. C'est bon, espèce de menteuse.
Samasoko a dit. Samasoko n'a rien dit. C'est bon maintenant. Instance de menteuse. Il faut muter les micros. Quitte là-bas. Il faut muter les micros. Il dit, c'est pas de l'enfant. Faut dire que tu es pauvre et tu es vilain. La tête de bol aussi balèze quand ta femme André chose à avoir la belle là. Je descends de là, il y a une menteuse là. Tu es comme mauvaise. Tu es en train de mentir sur moi des gens. Chacun donne son avis. Ça m'a soko à dire quoi? Ça m'a soko à dire quoi? Ça m'a soko à dire quoi? Finé là. Il y a la minute, il va se démuter. Il n'y a pas la petite menteuse. Oh la barbe. Elle est bêtise. Quelle menteuse. Quelle menteuse. C'est bon. T'as venu moitié quoi, faut ça m'a soko a dit. Non, bien, 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 elle nous a suivi dans les commentaires. Non, attends, ça m'a soko a dit. T'as parlé aux autorités qui étaient présents sur les lieux, non? Non, mais elles n'ont rien à voir dedans. Non, elles n'ont rien à voir dedans. En fait. Le moment que j'étais à la tête, c'est au fait. Non, mais ils sont là pour dire si on doit régler un problème, c'est à la DITT, on doit partir demander pardon. C'est pas. C'est où l'envoyé premier, là? C'est où l'envoyé premier? Il est parti premier, puis l'envoyé. C'est David là qu'on doit demander pardon. C'est elle qui doit partir retirer sa peau. Non, parce que David elle était montée dans l'air. Elle était montée dans l'air de Garabi. Elle a dit qu'elle voulait retirer sa plainte aujourd'hui même. Tu vois. Elle a retiré sa plainte. Celle a retiré sa plainte là. Cotisation qu'elle veut là. On fait ça si panel de jour. On fait ça, il a dit, maman, il y a fait même. David m'avait dit qu'elle allait retirer sa plainte aujourd'hui. Elle a dit qu'aujourd'hui elle va retirer sa plainte. Mais bon, elle a dit qu'elle va retirer sa plainte aujourd'hui. Maintenant, c'est la retirer sa plainte. Mais moi, je ne comprends pas un truc. Vous-même, d'après vous, on ne doit pas créer la cisanie, on ne doit pas créer les houilles. D'après vous, elle a dit qu'elle va retirer la plainte. Donc si elle retire la plainte, on ne doit plus parler de ça. On attend maintenant. Pourquoi vous parlez de ça? D'après vous, ça l'enfonce encore. Donc on ne parle plus de ça. On parle de côté. Non, non. Elle était côté, elle avait dit ça. Elle allait retirer la plainte jeudi. Elle a dit jeudi. Je vais lancer le direct. Je voudrais savoir, il y a quelle information. Voilà pourquoi j'ai lancé le direct et puis elle est venue. Moi, j'ai lancé le direct. Voilà, jeudi, mais elle a dit ça. Même. C'est tout à l'heure, mais elle a dit ça. Quand elle était montée premièrement, elle a dit qu'elle allait retirer la plainte aujourd'hui, jeudi. Tu vois. Donc moi, tout ce que je dis à David, les gens qui te citent en privé là, Yannick n'a rien à voir dedans, parce que Yannick n'est pas au courant. Yannick n'est pas au courant que les gens sont en train de se citer en privé. Donc, pardon, faut pas t'apprendre ça pour mettre ça sur le fait, Yannick. Ceux qui sont en train de se citer en privé, là, moi-même, il te dit, faut prendre leur numéro, qui fait, et puis tu envoies ça à Séni. Ceux qui sont en train de se citer en privé, là, après, nous, on va gérer ça en privé. Voilà. Yannick n'a rien à voir avec ça. Elle a lancé rien à voir avec ça. Donc, comme tu as dit, tu vas retirer la plainte aujourd'hui, là. Faut faire pardon, faut retirer la plainte aujourd'hui. S'il te plaît, avant que demain va arriver. Pour ceux qui t'insultent en privé, là, tu fais la capture de leur numéro, tu envoies ça à CNU. Après, on va gérer le reste. Bon, s'il te plaît, hein. Voilà. Maintenant, tu as une petite, par rapport, là, quand tout ça va finir, là, nous, on va gérer quelque chose pour te donner, et puis tu vas gérer ton mouvement, ça. Voilà, nous, on va dire pardon, ça va. Il veut rien comprendre. J'ai compris. Voilà, c'est mouvement, quoi. Donc, s'il te plaît, ça, tu regardes le live. Voilà, pour chanter, il parle comme ça. S'il te plaît, hein. On va faire ça comme ça. Moi, je pense que c'est la solution. Sinon, tout d'un coup, je suis quoi, on est en train de faire là, ça, papy. Voilà. C'est ça, Bindou, on t'écoute. Yeah. A fait des discours avec nous-mêmes là. Voilà, on est fatigué. David là, pardon. Moi-même là, je te demande pardon. Hier, j'étais insulté parce qu'on était énervé et tout. Mais moi, aujourd'hui là, je te demande pardon. Parce que tout ce qu'on est en train de faire là, ça ne va rien changer en fait. Parce que, à l'heure là, tu es comme, genre, nous on est en bas, c'est toi tu es en haut, c'est toi tu es debout à l'heure là même. Donc nous, on te demande pardon. C'est même aujourd'hui, on te demande pardon. Mais aujourd'hui, comme tu as dit que tu vas aller retirer plainte là, il faut aller retirer. Puis nous tous, on va respirer. Ça fait plus de 2 jours, je ne dors pas. Ici, pas au travail hier, là, il y a eu mot de vent, à cause de Jairia. Mais voici, je suis couché dans la maison ici. Pardon. Il ne faut même pas faire à cause de nous. Il faut faire à cause de Samasoko. Samasoko, le lien qui était entre vous là. Il faut faire à cause de ça. Maintenant, David qui s'en est pompé, maintenant, lui, sa taille, on dirait. Non, il ne faut pas insulter David. Non. Si non, 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 écoute, non, non, attends, Jarabi, attends. Parce que Samasoko a essayé de parler avec David. David, comme c'est ton ex, il faut aller causer avec la fille. Jean-Louis,
Ils sont mélangés tout là-bas, tout ce qu'on va dire. Mais toi, tu étais là-bas, quand il a mélangé là, tu étais là. Est-ce que vous étiez là quand il a mélangé? Il a dit ça hier, on était dans le même live. Hier, là, il a dit ça. Il n'a pas mélangé sa pour chauffer votre. Il dit que tout ce que nous on fait. Non, attends, ça pour chauffer votre cœur. Sinon, là, il dit tout ce que nous on fait sur les réseaux sociaux. Lui, il est en train d'instruire ça pour ça, David. Il n'a rien, laisse là, c'est le parti de les frappe. Tout ça, là, pour chauffer votre cœur. Sinon, il se passe tout ça. C'est vrai, on t'a insulté. Moi-même, là, moi-même qui suis en train de parler là, c'est vrai. J'étais parlé mal, j'étais insulté. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, là, je te demande pardon. Faut aller retirer plainte et puis on va passer à autre chose. Yannick, là, il n'a pas parents. Il n'a pas, c'est pas comme nous, là, on a parents, là. Non, Yannick, là, il n'a pas parents. C'est ses amis qui sont sur les réseaux sociaux. Nous, les Jairi, là, c'est nous, on est parents de Yannick. Pardon. Non, on te demande pardon, c'est bon. Si tu veux pas qu'on t'insulte, là. Moi-même, hier, là, tu m'as bloqué. Tu as dit que perruque dure. Tu m'as bloqué en même temps. Donc, moi-même, là, je te demande pardon. Pardon, Davila. C'est bon. Nous aussi, là, on est fait aussi de te demander pardon. Parce que nous, on te demande pardon. Oui. Eh, Bindou. Oui. C'est bon, non. Faut boire pour des pardons. On a compris. On a demandé pardon. Après, elle a dit, on dit, elle va partir retirer la foi. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Elle a dit, elle va partir. On attend jusqu'à débrouiller. Non, c'est elle qui a dit, non. C'est elle qui a dit, pourquoi tu dis qu'elle va pas retirer? Ah, elle ne va pas retirer. C'est elle qui a dit dans sa bouche. Eh, elle est forte dans le refrain, moi, non, elle n'a qu'à refrain. Eh, Yarabi, si elle voulait retirer là. C'est pas Olivier. Il te dit que moi, j'ai parlé ce matin avec lui qui a l'affaire. C'est déjà arrivé demain là. Mm-hmm. Yannick doit aller devant un juge au plateau. C'est lui qui va décider si on doit le libérer ou on doit l'envoyer à la MACA. Elle a fait très bien esprit. Elle est très haut. Tout ce qu'on fait là, vous savez qu'elle enregistre notre vidéo pour envoyer. Ah, elle enregistre notre vidéo, elle a fait d'enregistrement. Donc, si David ne veut pas l'enlever, le gars n'a qu'à aller faire prison de ça. On passe à autre chose. On a demandé pardon, pardon. Si David devrait regarder pardon, il n'y a pas un jour d'ici lève là. Tous ceux qui sont à demander pardon, tous ceux qui sont à dégamer, c'est les mêmes personnes qui ont demandé pardon depuis combien de jours? Rien n'a changé. Laissons David là, elle saute dans sa position. Elle est la plus debout, elle est là. Elle a le pouvoir. Mm. Pouvoir là, faut nous écraser. Maman, on te suit haut. Non, elle est pas terre. Mal sur nous. Fais ce que tu as envie de faire. Mais moi, en tout cas, si tu l'envoies à la MACA et puis d'aller faire 3 mois, 6 mois, moi, ça me décourage personnellement venant de toi, c'est qu'il n'a pas trop pouvoir. Si tu l'envoies à la MACA, il faut te rassurer qu'on lui donne 10 ans. Là, quoi, pendant 10 ans, pendant 3 mois, 6 mois, on ne va pas vite l'oublier. 10 ans, là, rapidement, on l'oublie. Mais si c'est pour 2 mois, 3 mois, la chérie Coco, tu as échoué. Il va sortir 2 mois, 3 mois, il va revenir parmi nous. On fait l'œuvre ensemble. En tout cas, ça, c'est clair. Mais, non, pardon, là, en ces gars-là, on est fatigués, nous sommes fatigués. Mais, chérie Coco, la main, tu as le monopole de mettre les gens en prison. Là. En tout cas, il faut marcher avec autoviseur dans la bidon aussi. Parce que même le jour où tu frottes quelqu'un dans la maison B, là, la personne va poser plein contre toi. Et puis, nous, dans la sorcellerie, là, on ne va pas venir en truc. Hein. Chacun va réveiller ses relations aussi. Parce que si tu as mis quelqu'un en prison, il faut te dire, toi, il faut être juste. Il faut être enfant de cœur même. Ça va, tu sais, faut savoir marcher même dans la bidon. Parce que si tu nous as affolé un jour, dans ton Daiko, dans ton Nyeneni, nous là, on fait un panel, puis pas bien de quelqu'un qui a s'élevé, venu se jouer les tambours. Les mamans pasteurs, c'est un petit panel. En tout cas, il n'a qu'à marcher, il n'a qu'à savoir marcher. Non, si tu l'as mis en prison, désormais, il faut savoir marcher. Il ne faut pas avoir affaire à quelqu'un. Il ne faut même pas dire tu roules à quelqu'un, puis la personne va aller poser plein contre toi. Voilà, on fait association, on s'est ruiné pour ça. Association de aide-moi à détester, là, est-ce que tu connais ça? Non, pardon, non, pardonnez. C'est bon, voilà. C'est bon. Pardon, si tu allais le mettre en prison, voilà, Dieu merci, aide, elle écoute. Si tu allais le mettre en prison, là, David, là, il faut savoir marcher en Côte d'Ivoire. Marcher les gros bras. Marcher, il ne faut pas, en tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui a tombé sur toi, il n'y a pas quelqu'un qui a te fait quelque chose. Mais il ne faut pas avoir affaire à quelqu'un, en tout cas, dans Côte d'Ivoire, là. Sinon, tes relations aussi, là, tu as nous fait voir ça. Ça n'est joué encore, tu as nous gagné 2 fois encore. Yeah. André, tu as pris ton team avec les policiers là. Tchè! C'est quelle affaire qui finit pas? Si tu es Sabari, il faut que tu es Sabari à la cousson. Oui, ça va. Ah, il est parti en prison, il va sortir.
Jarabi, moi, je suis pas d'accord. Elle a porté plainte. Maintenant, pourquoi les menaces dans les commentaires encore? Moi, je comprends pas. Si elle, déjà, elle a déjà porté sa plainte, qu'elle arrête de commenter pour dire, va prendre l'avocat, continue, je te voilà. Elle menace les gens. Je t'écoute, elle nous menace. Elle a menacé ceux qui ne mangent pas deux fois par jour. Regarde la situation de ces maris-là. Elle nous regarde, elle sait qu'elle peut pas arriver chez nous. Elle a déjà un million. On va sortir, on va payer. On ne va même pas appeler relation même pour ça. On comptait 1 million à lui donner. Tout le monde n'est pas Yannick. Et puis on sortit. Mais ça, c'est un dégoûtement. Toi, tu as posé plainte, tu es dans les commentaires en train de nous menacer. Continue. Toi, tu es enregistré. Il faut enregistrer. Nous, on a continué à enregistrer. Tout est là que tu as fait hier. Là, ils m'ont tout envoyé. Tellement que ça, c'est même pas mon truc, mais il n'a même pas écouté. Ils m'ont envoyé tout sur WhatsApp. Il n'a même pas pris la peine d'écouter. Parce que ce n'est pas mon truc, même. Moi, je n'ai pas rentré dans la boue, dans les trucs comme cela. Samasoko. Tu l'as mis en prison. Faut essayer de te garder. Samasoko, moi je te demande. Bonsoir. On te demande pardon. Ben, tout je dis que je peux parler. Sama, pardon. Oui, allez. Bonsoir. Ben, on t'écoute, hein. Jarabi, bonsoir. Damasco, ouais, bonsoir. Ben, Alex Timité, bonsoir. Quand vous voulez faire Ben, d'abord, je voulais vous dire. Vous pas. Voilà pourquoi je ne prends pas vos demandes. Ok, on t'écoute. Ben, Jarabi, je descends pour laisser la place à des autres personnes qui vont monter, ok? D'abord, je vous dis merci. Merci pour le parler que vous organisez par rapport au frère, à l'ami Yannick. Moi aussi, je vais descendre. Tu vas donner à la place. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont donner leurs avis. Voilà que ça fait depuis près de plusieurs jours que vous prenez de votre énergie, vous prenez de votre temps pour demander pardon à ce que les choses puissent aboutir afin que le frère soit libéré. Mais depuis là, rien n'est fait. Et c'est vrai que vous êtes fatigué. Arrivé un moment, il sait que vous êtes fatigué. Donc, quand c'est comme ça, ça commence à peser. Donc, la couleur commence à monter. Et ce qui fait que non, sur l'effet de la couleur, quand on n'en peut plus, on craque et on dit certaines choses. Là où on est là, on veut qu'une seule chose, que le frère soit libéré. Donc, Davila, certes, je te connais pas, mais je sais que tu es en train d'écouter. Certes, il t'a injuré que de là où tu es là, Dieu puisse toucher ton cœur. Connais. Pardon, 2 minutes. Ah, il y a une qui a parlé là, ivoirienne. Ivoirienne Boudin. Depuis combien de jours, tu as parlé, tu as m'insulté. Même quand on fait les calculs. Ivoirienne Boudin. Merci, méchant. On dit que il sera libéré à 16h. Prends pas triple fait que la chose. Attends, il y a bien qu'on connaît la scène. Yannick est connecté. Moi, relation me fait sortir d'un rempart qui n'est pas ça là. Il n'y a pas de beaucoup de millions, relation me fait sortir. Il n'y a même pas mis pied à la maca. Je ne peux pas appeler relation pour un jus de TikTok. Tu as compris? Tu es malade, tu es imbécile. Si tu dois, c'est lui qui te baisse là. S'il n'a rien cassé dans sa vie là. Il ne faut pas venir mettre ça sur moi. Tu penses que moi, j'ai appelé relation à cause de ça? Ça ne faut pas poser à la relation pour ça. Elle a besoin de l'argent. Moi, je vais poser à elle. La mère devrait lui donner. Elle a refusé. Donc, je ne cotise plus. Maintenant, si toi, ta relation, tu sois trop à un debout là. Chérie Coco, dis à ton mari n'a qu'à les donner. Tu as compris? Dis à ton mari n'a qu'à les donner. Moi, mes 5 frères ne donnent plus. Comme toi, tu sais soutenir là. Prends ça. J'ai dit, on ne peut pas relâcher pour les gens. Je ne sais pas si tu connais Jean Jaurès. Dans les commentaires, il dit que Yannick sera libéré à 16h. Est-ce que tu as cette information-là? Personne. Allez, il ne faut pas te prononcer sur les commentaires. Vous avez conspiré sur les commentaires. Il ne faut pas regarder les commentaires. C'est gars en train de dire, la personne ne sait même pas ce qu'il dit même. C'est faux. Il ne faut pas regarder les commentaires. Donc, Davila, comme je te disais, de là où tu es, je sais que tu as mal, tu as été blessé. Mais le pardon, là, il est divin. Chacun de nous fait des erreurs dans la vie. Actuellement, là où tu es, là, le souffle de vie que tu as, tu ne le payes pas. Tu es dehors, tu es libre. Il va aller là-bas là, pour des injures. Tu ne vas pas pouvoir dormir. Donc, de grâce, que Dieu, qui a la force de pouvoir toucher le cœur de tout un chacun, quand il est blessé, là, que ce Dieu-là vienne te réconforter, afin que tu puisses libérer ce frère. Fais pour l'amour de Dieu, pour ces personnes
jour et nuit qui sont là à te demander pardon. Davila, pardon, faut libérer le frère. Pardon, c'est tout ce qu'on te demande. Libère le frère. Tu es une femme, tu es une maman. Demain, tu peux avoir un frère, un ami, une connaissance. Aller en prison, là, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas une bonne chose, c'est pas facile. Il y a des personnes qui se retrouvent en prison alors qu'ils n'ont rien fait. C'est, tu as été injuré, tu as été blessé. Davila, pour l'amour de Dieu, ne laisse pas le frère là en prison. Pardon. Quelqu'un même m'a dit, mais Déo, mais c'est difficile de pouvoir joindre les deux bouts. Davila, pardon, trouve la force au plus profond de toi afin de libérer le frère. Moi, c'est ce que je voulais dire. J'espère que de là où tu es, ils vont enregistrer pour que tu puisses entendre. En tout cas, pardon, Davila, pardon. Ok, merci. La poupée, on t'écoute. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis monté là pour demander pardon à Davila. Yannick, il parle, hein. Mais au fond de lui, c'est quelqu'un qui est très gentil. Peut-être qu'il voulait juste la taquiner, comme sur les réseaux sociaux, c'est le game. Peut-être qu'il voulait faire le game et puis c'est mal tourné. Mais tout le monde entier lui demande pardon. Dans la vie, là, Dieu ne descend pas pour demander pardon à quelqu'un. C'est les gens qui vont te demander pardon, puis ça pèse ton cœur. Donc là, on lui demande pardon. Toute la population, vraiment, lui demande pardon. On a qu'à accepter. Demain, là, c'est vendredi. On a qu'à accepter de retirer sa plainte. Ils vont libérer le jeune. Sam aussi, on a qu'à se calmer. Quand ta main en bas, là, tu parles pas. Tu as mal, mais tu attrapes ton cœur parce que ta main en bas. Attends. David dit, ils vont libérer. Comment on appelle la saison? Pardonné. Tant qu'on n'a pas. Ici, il est libéré, on saura. Si il est pardonné, on n'a qu'à parler. Il est libéré, ça. Donc là, si nous on demande pardon aussi à Sama, il n'a qu'à se calmer, il n'a qu'à demander toujours pardon. Parce que c'est celui aussi qui demande pardon. Sama va aller. Il va se fâcher. Quand ta main en bas, tu ne te fâches pas. C'est pardon seulement que tu demandes. Ça cause ça, je suis monté. D'accord, ok, merci. Olivier, on t'écoute. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Il a dit que Marc, là, ce n'est pas plus ou moins. C'est pas. Donc ça, nous on est couché sur nos lits, on est en train de notre téléphone pour voir genre appuyer mes piments dedans là, ça sert à rien. Pardon là, ça n'a jamais enlevé le nom de quelqu'un. Ça n'a jamais enlevé le nom de quelqu'un. Actuellement c'est Yannick qui souffre. Sinon nous tous on est couché à la maison, on est en train de rire direct pour écouter. Pardon là, ça n'a jamais enlevé le nom sur, ça n'a jamais enlevé le nom de quelqu'un. Actuellement c'est Yannick quand t'es Nimi là-bas, c'est lui seul qui sait ce qu'il vit. Donc, là, pardon, demander pardon à Davila, là, ça n'enlève rien. Au moins, là, on sait qu'on essaie. Même si tu as demandé pardon, qu'elle dit, elle veut pas, là, au moins, là, tu sais que tu essaies. Mais vous êtes tenté d'aggraver les trucs, vous lui dites tout comme ça. Même si ça fait arriver devant, au moins, là, si, live de Djarabi, là, on sait que, là, c'est pardon, pardon. Là, quand récemment, on va partir, là, demain, là, les gens vont dire qu'on a demandé pardon. C'est peut-être, hein, elle a d'abord, ça a déjà vu l'envoyer. Ça, c'est elle qui voit. Mais, là, nous, là, on n'a qu'à demander pardon. Là, au moins, quand les gens vont enregistrer, là, c'est pardon qui reste toujours. Mais vous êtes en train de dire, demain, elle va enregistrer, elle va partir donner à la police. Ils vont dire que, ah, que malgré que oh, le jeune est là-bas, là, vous êtes en train d'aggraver. Ah, pardon, ça enlève quoi sinon des gens? Ça n'enlève rien. Au contraire, c'est Yannick qui souffre. Makala, ceux qui connaissent, ils savent, c'est pas un musulman. Makala, on va pas jouer tant passe là-bas. Et puis après, Makala, si Yannick veut se chercher pour aller dans le bureau, pour aller demander ses dossiers-là, la casier, ils vont jamais accepter. Après, Makala, il y a une autre vie. Donc là, essayons de lui demander pardon. Là, au moins, quand ça a parti, là, c'est pardon qui s'en va. Mais quand vous êtes en train de parler, vous, c'est, bon, c'est dû à quoi? Hey, c'est tout ce que moi, j'avais à dire. Hein. Sama, si tu as fait quelque chose, tu as bien commencé, il faut bien terminer. Tu fais ça à cause de Dieu. Et puis, Yannick, mais tu ne fais pas ça à cause de lui. Sinon, lui, il a beaucoup insulté, les gens le savent. Mais là, toi, il faut faire ça à cause de Dieu. Il ne faut pas faire ça à cause de Yannick. Il ne faut pas faire ça à cause de David, là, ou bien quelqu'un comme ça. Il faut faire ça à cause de Dieu. Parce que Maka, là, ceux qui sont allés, ils savent que ce n'est pas un musulman. Même deux jours à la Maka. Et je ne sais pas pourquoi aller en enfer, mais c'est comme 100 ans en prison. Marc, ce n'est pas amusant. Donc, si on sait pardonner, continuons de demander pardon à la fille. C'est tout. Au moins, là, c'est pardon qu'à partir. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, Lumia, on t'écoute. Oui, ça va. C'est bon, on va de parler là. Je tiens à m'excuser pour ce que j'ai dit à Elmara. Parce que moi, ce n'est pas dans mes habitudes d'insulter. Donc, si ça, ce n'est pas la première fois que je. J'ai jamais insulté quelqu'un. Mais aujourd'hui, là, il m'a énervé, donc j'ai dépassé mes limites. Je tiens à m'excuser envers Elmara. Maintenant que je suis montée au début, ce que je voulais dire, c'est que quand une personne, comme la fille, elle a porté plainte contre le gars,
Le gars, lui, il n'a pas pris la plainte au sérieux, mais aujourd'hui, on voit que la plainte a été sérieuse. Vous, vous êtes délégué pour aller demander pardon envers la personne, mais vous-même, vous connaissez le comportement de la personne. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire dans le panel qu'il avait insulté une fille là pour son enfant pendant deux ans. Non, il ne faut pas venir aggraver. Si tu as quelque chose à non, dire, non, j'aggrave pas. Parle pas de nous passer, pardon. J'aggrave pas. Attends, j'aggrave pas. Mais juste pour dire que, OK, il n'y a pas de souci. Donc, quand on connaît le personnage là, on peut comprendre que par rapport à ce qui s'est passé avec la fille, ça peut lui faire mal. Et puis, en Afrique là-bas, là, on sait ce qui se passe. Les gens vont reporter, tout le monde va venir lui parler. Il y a les ondits, on dit à côté d'elle. Donc, quand vous demandez pardon, que vous voyez qu'arrivé un moment, la fille vous écoute pas. C'est pas qu'elle vous écoute pas. C'est qu'elle aussi, il y a des gens aussi à côté d'elle qu'elle écoute. Donc, du coup, tu demandes pardon si tu es fatigué, que tu as des opinions, vous partagez entre vous. Mais quand vous montez sur un panel comme ça, et puis vous venez dire oui, si elle n'a pas accepté que rentrer, c'est sorti, si elle est dans le live, elle écoute. Donc, c'est comme si en même temps, vous lui demandez pardon et en même temps, vous la menacez. Donc, c'est un peu comme si le pardon est devenu un peu hypocrite. C'est comme si le pardon est devenu un peu hypocrite. Donc, moi, je tiens à dire... Ça, c'est pas ton opinion. Hein. Si tu trouves que notre pardon est un peu hypocrite, ça, c'est pas ton opinion. Hein. Ça le droit. On t'accorde ça. Je n'ai pas dit que ton pardon est hypocrite. Je souhaite de parler en général. Non, peu importe. Tu es libre de dire ce que tu as envie de dire. C'est Yannick qui nous met dans ça. Y a foi, tranquille, parle. Je remets dans l'aise. Je vais te pointer du doigt, Samasoko. Mais je suis honteux de dire que quelqu'un est en prison. Le but, c'est quoi? C'est de faire sortir la personne. Donc, on va voir les deux personnes concernées et la personne qui a mis l'autre en prison pour lui demander pardon, etc., etc., fait sortir l'autre. Et quand tu demandes pardon à la personne que la personne refuse, tu essaies de trouver une autre option pour pouvoir faciliter le truc, comme la manière que Cédric Ramba lui dit que de son côté, il a appelé la fille, que lui, ce que la fille lui dit, c'est positif. Donc, par rapport à ce que... Parce que depuis, c'est vrai qu'on m'a dit, non, n'insultez pas et tout. Parce que moi, je parle avec la fille parce que ce qu'elle m'a dit, c'est positif. Je lui ai dit de ne pas prendre l'argent et tout. La fille, elle est réceptive à ça. Donc, quand en même temps, lui, il dit ça, et puis en même temps, dans le panel, elle voit que, bon, c'est un pardon un peu mélangé, ça peut lui mettre des doutes. C'est tout ce que moi, je voulais dire. Un pardon, quand on dit, on demande un pardon... Arrivé un moment, quand on en a marre, quand on voit que c'est nos émotions qui prennent le dessus, on se retient un peu, on prend un peu de recul et puis on revient. Mais le pardon ne se fait pas avec les menaces. Voilà. C'est tout ce que on je veux dire. On a compris. Tanti, merci. On vous écoute. C'est très gentil, merci, Tanti. Bonsoir. Bonsoir. Ok, si je peux me le permettre de m'exprimer. Oui, oui. Ok. Bonjour à tous. Donc, comme je disais, quand je m'en disais en. Tout le monde, bon, pour passer. Je m'attendais à ça. Si je disais ça, on dit que je suis marabout, je suis divin, je suis clairvoyant. Mais je suis rien de tout ça. Mais tu sais, dans la vie, là, je répète, la fois dernière, j'ai dit quoi? Il y a des personnes, conséquences. C'est-à-dire que conseil ne conseille pas. C'est conséquences. Qui conscientise. On était tous là, le prégané, dans l'IDEV. Mais moi, j'ai participé. Parce que Masuko, c'est un frère. Moi, je suis monté, on a tous donné les idées, sur la demandé pardon. Même à la fille, je la connais même pas. Elle m'a considéré. Elle m'a dit sans os, je te prends comme un grand frère. Si tu veux après, je t'envoie une ligne poste. Tout ce qu'il m'envoie comme un jeu, toutes les preuves. Tu sais, la vie d'une personne tient un bout de fil. Comprenez? Mmh. Aujourd'hui, qui est en prison là, parce que je suis contre lui, hein. Où je suis avec lui. Mais, c'est la il va animer. Même, comme Samasoko l'a dit, quand on dit relation, là, on ne dérange pas des relations parce qu'ils dérangent. Toi-même, tu auras ton problème sérieux. Ils ne vont pas te prendre au sérieux. Ils vont dire que toi, tu nous as à balle. Donc, il faut gérer ça. Attends, toi, tu es dans ton sérieux. Hein? Puisque d'habitude, tu les appelles pour des trucs où ce n'a ni tête ni queue. Parce que quand on dit relation, tes relations qui viennent t'aider là, sache que ça joue aussi parce que demain eux-mêmes leurs propres relations vont dire que toi tu es avec nous, mais tu te mets dans des immatures. Comme Samasoko l'a dit, des injures de TikTok. Nous, on l'a dit juste. Pardon, c'est pas là. Tu es connexion là. Il n'a pas bonne connexion. Tu dis plus qu'il n'a pas bonne connexion. Viens, tiens. Mais ça, on fait te déplacer où tu es là. Bon, ok, attendez. De conseil. Ok, attendez. Faut te déplacer ta connexion. Là, c'est bon.
Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'étais sur le Wi-Fi, donc je me suis mis sur mon 5G. C'est ce que je disais là. Ça m'a que si nous tous on disait ici au gars, demande pardon. Bon. Il s'est joué le. Il vient faire un loup. Il s'est joué le. C'est bon. Il s'est joué les guerriers. On lui a dit, quand relation vient t'aider là, c'est dans des bonnes causes. Ou demain, eux-mêmes, ça ne retombe pas sur eux. Il a commencé à jouer le mort, toc toc. Il dit champion. Même moi, mes sources qu'elle a là, je ne peux pas taper à porter pour dire qu'il y a relation. Sinon, il y a relation. On ne parle pas. Mais je ne peux pas me mettre dans des trucs où c'est que mes propres relations ne pourront pas m'aider. Pas parce qu'ils ne peuvent pas. Mais ils vont refuser de le faire pour ne pas atteindre leur image. On a tous demandé pardon. Le gars même s'est joué les guignols. On dit non, il dit lui là. On a parlé ici. Il dit lui, il y a des personnes là. Conseil, les conseille pas. C'est conséquence. Où il est là-bas là, c'est pas parce que son sorcier, c'est moi sur les nakas. Il mis un mois. Bien. Là, demain, ça lui servait de leçon. Parce qu'il y a des personnes là. Il ne sait pas si quoi il compte. Il ne sait pas si ils sont pieds à poser sur quel caillou. Il se permet de faire cette truc. Samassoko a parlé. J'ai parlé. Tous ces soldats ont parlé. Tous ceux qui étaient dans le drill de Samassoko, l'autre pour là. On a tous parlé. Aujourd'hui là, c'est pas ce qui est arrivé. Aujourd'hui là, c'est pas ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Samassoko peut faire quoi? Je peux faire quoi? Qui peut faire quoi? Ivan Nimi. Oh, Ivan Nimi, faut pas on va se mentir. Conséquence, ça n'a qu'à assumer. Parce qu'il a dit quoi? Lui-même, il cherche, il s'est dit que quoi? Tout moyen de buzz peut berrer. Donc, même si on l'arrête, qu'on l'envoie en prison, ça serait un buzz encore pour lui. S'il sort, ça fait double, triple, quadruple buzz. Comme c'est ce buzz qui veut qu'on le serve, il était servi. Non, faut pas dire ça, faut pas dire. C'est pas que je veux. Non, 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 laisse-moi m'exprimer. Pourquoi vous pouvez dire ça? Attends, il a trop parlé, autrement, c'est journal télévisé. Non, 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 attends, pardon. Pas c'est pas journal télévisé, c'est radio. On te écoute, faut terminer, s'il te plaît. Quand t'as parlé d'une histoire sérieuse, tu me dis que c'est journal parlé. Quand tu ouvrais ta gueule pour parler, on a dit que c'est un film western. Et tu me parles avec respect. Il y a lui là. Tiens, depuis là, tu parles, on parle pas. Moi, je me parle avec respect. Quand tu me dis que depuis, parle de ces radios là, c'est pas un jus. Moi, c'est une radio. J'ai pas dit journal, j'ai dit journal télévisé. J'ai pas dit radio. Mais journal télévisé, est-ce que moi, je suis journaliste, mon ami? On entend parler d'une histoire, donc tu me laisses finir de parler. Tout le monde a parlé. Depuis, à l'hôtel, je suis dans le direct, ça paye, c'est pas monté. Depuis, je suis dans le direct, j'écoutais beaucoup de personnes se sont exprimées. Pourquoi ça monte? Tu me dis que non, que je parle de journal parlé. Tu fermes ta gueule et puis tu m'écoutes. Y'a quoi? C'est bon, bébé, ça, c'est bon. Ali, pardon. Non, Ali, toi, tu aimes mélanger les mouvements aussi. Il faut laisser votre tête. Mais son histoire est venue où il était bloqué à Dubaï, là. Tout le monde s'est levé ici pour te défendre. Mon ami, c'est pas la même chose. À Dubaï, j'ai pas insulté quelqu'un. C'est un malheur qui m'arrivait. Hein. Bloqué là-bas. Non, mais écoute-moi. Mon ami, Ali, on ne se connaît pas. J'étais jamais offensé. Je t'ai jamais manqué de respect. Laisse-moi m'exprimer quand j'ai fini. Non, on t'insulte aussi, hein. Tu comprends? Le problème à Dubaï, ça te regarde? J'ai incité quelqu'un à Dubaï. J'ai menacé la vie privée d'une fille. Humaine d'une femme, de quiconque. Faut parler maintenant. Oh, faut parler du sujet. Faut parler. Attends, mais t'es pas gay même toi là. Faut parler avec tes babes qui sentent là. Faut parler. Mais tes babes qui sentent et non qui sent. Faut parler. Si tu n'as rien à dire, je vais m'exprimer en fait. Donc vas-y. Il n'a plus rien à dire. C'est oh, Ali, arrête, s'il te plaît. Ali, bébé sans os, vas-y. Bébé, faut continuer, c'est bon, continue. Bébé, sans, s'il te plaît, continue. J'entends pas, Jarabi, je descends, je remonte. Vous savez, dans la vie, hein, c'est des injures comme ça, là. De la même manière que l'autre barbu s'est retrouvé là-bas, là. Faut pas faire toi et moi, là, il va se retrouver encore là-bas. Chacun va se servir de ses relations. Parce que maintenant, on insulte quelqu'un sur Internet, on s'en sait plaindre. Donc, sur ton bras, là, c'est gros, puis c'est lourd, là, c'est long, là. Tu vas me montrer ça. Donc, si la main a commencé là, tu me laisses mon truc, j'ai commencé, ça m'a fait deux minutes de parler, tu parles trop en direct, y'a quoi, laisse-moi parler, y'a quoi. D'habitude, quand on fait nos directs ici là, dans Amazon, là, tout le monde parle, toi tu rentres en direct, comme on dit, allez le grand, y'a quoi. Merci beaucoup. Donc, je disais, même moi, même quand ça s'est passé, j'ai demandé pardon, quelqu'un que je ne connais ni d'Adam, ni d'Ève. J'ai demandé pardon, moi, mais je me suis mis en direct à Samazo, que j'ai dit que moi, tout ce qu'on peut demander, c'est pardon. Dans le pardon, le gars se joue les guignols. Est-ce que la réalité, faut pas, on va se mentir. Il y a certaines personnes qui se jouent les Père Noël ici, les Papa Noël, mais quand c'était eux-mêmes, ils allaient faire pire que la fille a fait. On se connaît ici, faut pas, on se mentir. Donc, si on fait ce direct là, ça me donne une idée, pour pouvoir trouver une idée, pour pouvoir sortir ce gars-là. Mais quand il y a la réalité, faut dire, c'est pas parce que ton enfant a déconné, que tu n'as pas le chicoté. Et non, tu déconnes, tu le frappes, et puis demain, maintenant, tu fais, hey, bébé, t'as un peu lourd, t'as pas des fascistes, un peu lourd, t'as trop zaillé qui a fait ça. C'est comme ça la vie. Donc, parce que quelqu'un a déconné, quand on doit l'aider, on ne doit pas lui dire la vérité, quoi. On ne doit pas lui dire son vrai nom avant de l'aider. C'est ça qui ne va jamais changer. Si ce dernier-là, à la dernière, à la minute-là, là, il sort, là, il va faire 10 fois plus pire. Moi, ce n'est pas son saucisse, je ne le connais pas, je ne souhaite pas son malheur. Mais on était tous là quand ça a commencé.
Ça m'a soif à parler car salé de sa bouche est fini. Tout le monde a parlé, on a demandé pardon. Dit le seul truc qui allait éviter la prison, c'est de reconnaître tes erreurs, demander pardon. Ça va passer. Même moi-même, je me suis mis dedans de ce qui ne me regarde pas. Pendant que moi, mon image est sensible, mais je me suis mis dedans. Mais le gars nous a tous ignorés. Et on a dit quoi ici? On dit qu'un navire veut te lapider, il sait si son pied est posé sur quel caillou. Donc lui savait, pendant qu'il faisait ça là, il savait ce quoi il comptait. Quand nous tous, on lui a parlé, il nous a pas écouté. C'est où c'est gâté là? On doit, même si on doit l'aider, on ne doit pas lui dire la vérité quoi. Sois un peu hypocrite entre nous quand même. Il déconne, on lui dit qu'il a déconné. Maintenant si on a fini de dire qu'il a déconné, on dit ce qu'on a lui dit là. Ce que nous on peut faire nos relations là, on va essayer de faire. C'est tout. Allô, soudain, c'est comment? Voilà, les Morocs qui sont en train de crier là. Quand ils étaient bloqués vers Dubaï là-bas, là, nous aussi on a crié, on a fait en sorte que les gars puissent les libérer. Non, pardon, s'il te plaît, évite mon discours. Sinon, ça là, toi, moi, on portait, moi, j'ai porté plainte. On est venu pour parler d'un problème, ne veux pas parler de ma fille, si mon ami. Mon ami, écoute, je plaisante pas, hein. Rien à voir. C'est à cause de TikTok là, c'est à cause de TikTok, l'autre est retrouvé en prison, non? Les gars, s'il vous plaît. Non, ça te fait rire. C'est comme ça, le gars, là. On lui parlait, rien. Il s'est retrouvé en prison. Tos, les gars, s'il vous plaît. On a parlé du gars, ne parle pas de ma vie. Je t'ai pas insulté. Tos, ne parle pas de ma vie. S'il te plaît, ça, s'il te plaît. Non, dis-le qui ne parle pas de ma vie. Parler de ta vie, là, c'est mon frère. Mais on a attends, ce que je dis là, j'invente. Ce que je dis là, j'invente. Calvin, attends ça. Calvin, faut laisser le discours de Yannick. Tu dois parler là. Alors, attends, il parlait de Yannick. Parlons de Yannick. Continue de parler de ma vie, hein. On se retrouve à moi la justice et puis on voit qui va sortir. Continue. C'est pas un défi, non, c'est pas un défi de nos jours là. Toi, tu as raison là. Un jeu public là, moi, elle est portée plainte. C'est ce que Yannick a fait. On a tout fait pour faire sortir le gars. On lui dit qu'il a médié. Comme on doit le faire sortir, comme on ne peut pas dire qu'il a médié. Moi, je dois aider quelqu'un. S'il a décollé, je ne dois pas dire qu'il a décollé. C'est que c'est hypocrite. Garabi, est-ce que je peux parler de non, mais bébé ça os, Molo. Molo, bébé ça os. Attends, on va parler aussi. Bébé ça os. Mais qui ne parle pas de ma vie privée, ou soit quand moi j'étais en prison, qu'elle fait quoi à Dubaï, ça a quoi à voir? Je fais une allusion pour te dire que. On n'a pas demandé aux gens de te laisser là-bas. On a parlé, on a pleuré pour toi pour que tu puisses sortir. Comme si quelqu'un dans la n'est pas obligé de venir en live ici pour venir dire, ils n'ont qu'à le faire. Mais l'un des personnes qui ont chargé ça sur Facebook, c'est juste Snap. Mais c'est pas bébé sans os, on est là, on va pas faire procès de bébé sans os. Oui, Calvin, oh, tu vois. Non, en fait, écoute, moi je comprends pas. Yannick, c'est le de bébé sans os. Non, c'est pas le béret de bébé sans os. Attendez, moi, vous parlez de Attendez, je vais parler parce que je pense que j'allais rater ce béret, mais Dieu fait grâce. J'ai fait 3 jours à l'hôpital. On pensait même que je suis décidé. Mais tu dois continuer cela, ça va mal finir. Attends, bébé, ça faut te mettre. Sans calme, s'il te plaît, c'est bon, calme-toi. En fait, c'est vrai que Yannick, en fait, Azaye et tout, nous tous on reconnaît. Il n'y a pas quelqu'un que Yannick n'a pas insulté ici. Moi-même, le jour où j'ai envoyé l'argent à Yannick, je lui ai fait dépôt. Le lendemain, Yannick est venu m'insulter le même jour. Donc, Yannick, là, c'est son comportement, certes. Toi, tu fais dépôt aux gens là, tu as toujours dit en direct. Allez, toi, tu t'es un petit peu. Non, on a parlé de ça depuis longtemps. Jarabi, attends, je vais m'exprimer, tu vois. Et il n'y a pas quelqu'un que Yannick n'a pas insulté ici, tu vois. Mais ce n'est pas en cause des injures que tu vas mettre quelqu'un en prison. Ce n'est pas arrivé là-bas. Nous tous, on s'amuse sur les réseaux, on bat et tout. La Makala, c'est grave, c'est haut niveau, c'est haut level, tu vois. Tu peux t'amuser, mais la vie privée de quelqu'un, on ne joue pas avec. Mais bébé, ça, faut te calmer. Non, bébé, ça, on se calme, toi, frère. Non, je ne suis pas fâché. Moi, je suis plus fâché. Il est en train de parler d'un sujet. Donc, moi, je le ramène à la raison pour dire que insulter la vie de quelqu'un n'est pas un amusement. Oui, on sait, ça, c'est pas un amusement. Oui. Ok, on t'écoute, Ali, on t'écoute. On sait que. Nous tous, on sait que Yannick a vraiment zaillé, tu vois. Mais depuis là, on est en train de demander pardon à la fille et tout et tout. Moi-même, je n'étais pas connecté. En fait, c'est là, je suis venu. C'est ce matin, j'ai appris tout ça, là, tu vois. Et vraiment, on demande pardon à la fille pour revenir. Moi, j'ai entendu bébé sans os en train de parler de cette manière. C'est pas joli à voir, c'est ça, tu vois. Quand j'ai parlé de lui, j'ai dit, ah,
quand lui-même, il a eu son affaire à Dubaï, là-bas, nous, on ne le connaissait pas. Tout le monde a eu à faire vidéo pour le soutenir et tout et tout. Tu vois? Alors que les gens, il y a des gens même qui ne le connaissaient ni d'Adam ni d'Ève. Tu vois? Donc, ça peut arriver à tout le monde. Même moi, ça m'arrive souvent de m'énerver, d'insulter les gens. Mais Yannick est allé loin dans ses propos. C'est pour ça qu'on demande pardon à la fille. On ne demande pas pardon parce qu'on a peur de la fille. On lui demande juste pardon. Parce qu'on sait que... Tu vois? Bébé, ça, c'est pas le moment, en fait, d'appuyer. Ouais, y a plus. Avant que tu ne viennes, moi, mais depuis longtemps, ça m'a sauté. Tous ceux qui étaient dans le direct, ça m'a sauté. Il y a longtemps, même moi-même, il a demandé pardon. La fille m'est venue parler à mon inbox. Moi, je lui ai demandé pardon. Et maintenant, si je suis revenu aujourd'hui, j'ai dit que c'est les conséquences que je suis en train de lui dire là. C'est ce qui est en train d'arriver. J'ai pas dit que j'ai souhaité. Mais écoute-moi maintenant. Comment c'est pas que tu m'as pas écouté. Comment je suis venu? Non, ce que tu dis là, c'est vrai, mais c'est pas le moment. Tu n'étais pas en train de demander pardon. J'étais en train d'appuyer dessus, tu vois. On demande pardon à la fille. C'est pas parce que moi j'ai peur de la fille. J'ai pas peur de... C'est pas moi qui l'ai insulté. Mais je lui demande pardon. Parce que Yannick là, c'est quelqu'un au moins avec qui j'ai eu des affinités, j'ai eu à causer avec lui. Moi, Yannick m'insulte. Ici, tous les jours. Je l'appelle où il m'insulte. Mais genre, faut le... on a qu'à le prendre comme ça. Quand il va sortir là. Mais genre, la fille pouvait l'effrayer un peu. Là où Yannick est assis là. Quand moi-même j'ai vu sa vidéo le matin. J'étais découragé. Tu vois, quand Yannick va sortir, je pense pas qu'il va insulter quelqu'un dans sa vie encore. Ça là. C'est pour ça qu'on demande pardon. Quand il sort dans ça là, si Yannick insulte quelqu'un, mettez-le dedans. Moi-même, je vais appuyer dessus. Mais toi, bébé Zaros, tu viens appuyer. Je veux dire quelque chose, Djarabi, s'il vous plaît. Bébé Zaros, c'est Ali. Maroc, là. Ali. Ali, je sais pas mon si ami, c'est bon, mais t'as qu'un problème même. Je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose, ok, rapidement. Ok, bébé sans os a parlé, mais vous savez, le tout, on est là pour apaiser la fille. On est d'accord. On est là ici pour essayer d'apaiser la fille. C'est vrai que peut-être bébé sans os, en disant bon, si c'était moi, il allait nimi pendant. Bon, c'est dans son expression, il a parlé, mais sa façon de parler, bébé sans os, apaise la fille. Parce que oui, il reconnaît qu'il y a un tort envers la fille. Mais à la fois, lui-même, il demande pardon. Je pense qu'il est avec les Samasoko. On demandait pardon. Ah, voilà. Donc, je veux dire que le tout ici, c'est pas d'essayer d'apaiser Yannick. Hein, c'est pas ça. Le tout ici, c'est la fille en question. Parce que c'est la fille, elle est montée plusieurs fois sur le panel, elle s'est exprimée. Elle a mal. Donc, c'est à elle, on doit la comprendre, compatir, et puis on demande pardon. Donc, ce que bébé sans os a fait, quand j'écoute, ben, c'est la fille. Parce qu'il considère la fille, il compatit et il s'explique. Donc moi, je pense qu'ici, le jeu, c'est la fille. Il faut qu'on puisse donner notre raison, expliquer comme il le dit, c'est vrai. Et mais pour que la fille comprenne que oui, tu as raison. Maintenant, on est sur un panel. Il est obligé de donner quelques petits détails. Mais le tout, c'est pour la fille. Donc une fois que la fille est satisfaite, ben, notre gars sort et puis voilà. C'est ça qu'on veut. On veut que Yannick, Pasteur Zézé sorte. C'est ça le but. Il va toujours faire parler dehors. Le jour qu'on le frappe, il va demander pardon, non. Mais arrive à la maison, tu dis que toi, mais ça t'apprendra. Demain, là, tu vas rester à la maison. Cela ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton enfant. Tu vas demander pardon à la personne, mais à ton enfant, tu vas lui dire la vérité pour dire que si tu étais resté tranquille, là, ça là, prochainement, tu vas rester tranquille. Est-ce que c'est parler mal à son enfant? Non. Sans os. Attends. Tu sais, tout ce qu'on a dit là, on a déjà parlé ça depuis longtemps, mais tu as dit ça déjà. Bon, là, il y a un sujet qui est très important, mais qui est dans le sujet. Yannick, là, lui, c'est un brousseur. D'ailleurs, il vit le jour. Ça, c'est un. Je l'ai appris, mais qu'il a un enfant. Il a une fille. Donc, ce qui veut dire que c'est lui qui s'occupe de sa fille. Essayez de vous poser une question. Si c'est Yannick qui s'occupe de sa fille, et Yannick est en prison, la fille a tellement vu comment? Moi, il parle en tant qu'un père. Il parle en tant qu'un père. Si Yannick est en prison, c'est lui qui s'occupe de sa fille. Actuellement, son enfant vit comment? Faut répondre. Tu vois parce que. Non, il me dit de répondre. Elle va trouver ça. Mais quand tu sais que tu es un père de famille et que tu es conscient, c'est des exemples. Exemplaire, tu dois donner pour que ton enfant suive. Mais si tu permets le père, tu permets d'insulter tant que les gens peuvent donner, mais pardon. Moi, le plus important, il n'a qu'à sortir. Écoute-moi. Je t'écoute, Samasoko. Toi et puis moi, nous avons eu l'expérience de ça. Ce qui veut dire prison, là, on a eu ça. Et tu comprends. Donc, quand il t'assoit pour dire non, il n'a qu'à le faire un mois, comme si un mois c'était un jour, moi, sincèrement, ça me dérange. Mais c'est ton point de vue, il respecte ça. Mais souhaiter prison à l'homme jusqu'à il n'a qu'à le faire un mois pour un jour, pour un jour, pour un clash TikTok, je trouve qu'un mois c'est trop.
Elle est sur sa raison. On la compte. J'ai dit un mois là. C'est pas parce que j'ai dit un mois qu'il va faire un mois. C'est une manière de parler pour dire. Non, 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 c'est ton souhait. C'est ton souhait qu'il y a là. Non, 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 c'est pas son souhait. C'est pas son souhait. Mais il a pas. Il ne devait pas le dire, mais c'est pas son souhait. Maintenant, Vincent Os, on demande pardon. C'est pas comme on a essayé de demander pardon seulement que dans la bouche. On essaie d'en comprendre quelque chose pour voir glacer cœur de la fille. Surtout, Côte d'Ivoire a demandé pardon à cette dernière qui est vue par là. On va accepter votre volonté, tranquille, Yafoué, tranquille. C'est un homme, il va aller, il va assumer. Mais quand il dit non, un homme responsable, il ne fait pas ce truc. Malheur, là, ça arrive à tout le monde. Et puis tout le monde est dans son dag, bah, c'est un TikTok. Hein. Nous tous, on a nos parents ici. Et puis là, on a nos enfants ici. On insulte souvent, on s'oublie. Hein. Ça arrive à TikTok, là, nous tous, on est de la main ivoirienne. Utilise TikTok. Hein. Moi, je suis d'accord. Voilà, nous tous, on est de la main ivoirienne. Mais... Nous, les Ivoiriens, on utilise TikTok. Hein. On utilise TikTok en insultant. Hein. Bébé, ça, autant même, tu n'es pas si à l'abri de ça. Si on doit aller mettre les gens en prison pour classer TikTok, nous tous, on ira en prison. Tu n'es pas à l'abri. Certaines personnes qui arrivent à manger deux fois par jour. Sama. Sama Soko. Oui. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais est-ce que se mettre sur le téléphone devant soi et puis insulter une femme, c'est normal? Parce que toi, tu fais des lives sur ton profil. Attends, je vais dire quelque chose. Toi, tu fais des lives sur ton profil, ça la lumière, la lumière, la lumière, sincèrement, tu as su un live, tu as su Panade de Djarabi. Pose question à quelqu'un d'autre. Parce que j'étais dans les commentaires, j'étais là à m'insulter. Moi, je monte souvent sur tes lives. J'étais là à m'insulter. On discute et tout et tout. Moi, j'ai pas. Je n'ai jamais eu de problème avec toi. Et voilà, les gens de classe avec femme, là, moi, c'est seulement, ils ne me voient pas dedans. Mais tu t'es attaqué à moi. Non, je ne me suis jamais attaqué à toi. Je ne me suis pas attaqué à toi. Donc, chérie, Coco, pardon. Moi, je ne me suis jamais attaqué à toi. Je ne vais jamais m'attaquer à toi. Seulement à la fille. La fille, je suis en train de dire. Ça m'a dit. La lumière, la lumière. La lumière. Tu peux écouter les soldats. La lumière, faut écouter les soldats. On se met ensemble sur le petit et tout et on rigole. Mamie. Même il sait. Attendez, je suis en train de juger. Attendez, je vais parler. Et puis on rigole. Mais ça n'a jamais été injurieux envers nous. Moi, ce n'est pas aujourd'hui que je monte sur le live de Samasoko. Peut-être que par rapport à mon changement de photo, Djarabi, tu es où? Il ne me reconnaît pas. Mais ce n'est pas aujourd'hui que je monte sur le live de Samasoko. Et j'avais l'habitude de monter sur le live de Samasoko. On n'a jamais eu à avoir. Donc voilà, moi je suis en train de parler d'un truc concret. Si Yannick est en prison, c'est Yannick qui s'occupe de sa fille. Actuellement là, moi je ne sais pas. Je ne vais pas l'attaquer père. Moi je veux savoir si quelqu'un connaît la fille de Yannick. Elle se trouve dans quelle condition actuellement? Moi je veux savoir. Voilà. Si quelqu'un connaît la fille de Yannick, et quelqu'un sait où est située l'enfant, que la personne essaie de m'écrire, on va voir d'abord ce qu'on peut faire pour l'enfant déjà. Afin que, on va voir ce qu'on peut faire pour l'enfant jusqu'à ce que son père soit de prison. Voilà, peut-être l'enfant va à l'école. L'enfant de tout le monde. C'est juste TikTok ici, s'il vous plaît. Parlez de Yannick. Laissez sa famille là-bas, son enfant, l'enfant n'a rien à voir avec TikTok. Laissez là-bas. Calvin, c'est que je suis en train de dire là, si tu comprends. Mais tu n'as pas besoin d'être. L'enfant n'a pas besoin d'être. Je vous demande pardon. Est-ce que vous dites là même, l'enfant n'a pas besoin d'être parce que c'est pas parce qu'on ne prend pas en prison que l'enfant va prendre moyen. Non, c'est lui qui s'occupe de son enfant. L'enfant de tout le monde. C'est lui qui s'occupe de son enfant, je suis d'accord. C'est lui qui s'occupe de son enfant. Il y a un problème là. La solution. Il a dit, il veut pas que ça prenne quelque chose de ça. Vous ne comprenez pas ce que vous avez dit. Bonsoir. En fait, il est en train d'anticiper. En fait, ce qui me plaît, c'est Internet. Chacun vient. C'est jouer les beaux parleurs. Le plus important, là, c'est de demander pardon et n'a qu'à sortir. Sinon, ces enfants-là, ou même sa famille-là, ça ne nous regarde pas. La fille nous importe. Maintenant, c'est après. Oui, c'est après. Maintenant, il y a le mouvement de sa fille. Ça, c'est après. Si tu me laisses parler, là, je vais comprendre ce qu'il veut dire. Soldat, on va répondre à lui. Calvin, attends, Baron. Sans. Voilà. Toi, tu t'oublies vite. Tu t'oublies très vite. Attends, on est venu faire direct pour demander pardon à la fille ou bien pour venir parler si l'enfant n'a pas. On colloque direct. Si tu sais que tu ne peux pas arranger l'affaire, là, ce n'est pas question que je ne veux pas arranger. Le plus important, là, tout ce qu'on est en train de dire par rapport à sa fille, par rapport à temps, là, ça, on a dit les détails, là. Non, on ne se comprend pas. C'est pas le sujet clé. C'est pour qu'il sorte, non? C'est pour qu'il sorte. Le sujet, c'est pour qu'il sorte, non? J'ai dit, quand tu étais en Kaba, tu dis, un père doit être exemplaire, non? Quand toi, tu étais là-bas, là, pourquoi tu n'as pas pris visa?
Pardon? Tu n'as pas prolongé tes documents pour lesquels... Mon ami, tu ne sais pas. Je vais vous dire une chose. Attendez. Je me suis rendu à l'aéroport. Je rentre chez moi au pays. Jarabi, je crois qu'on doit recadrer. On doit recadrer ici. Non. Le sujet, ce n'est pas bébé 111. Non, en fait, le sujet, c'est pas lui, mais ce sont ses propos. Si mes propos sont mal placés, si désolé, mais je veux faire comprendre que les détails de si les pères de famille, il est temps de famille, il ne s'agit pas de ça. C'est le demander pardon, la vie va sortir. Mais quand on dit que nous, il est père de famille, c'est comme si c'est maintenant qu'on s'en rend compte qu'il est père de famille. Oh, tu vas laisser parler. On va écouter soldat, s'il vous plaît. On va écouter soldat, sinon Jarabi va couper le live. On va écouter soldat, s'il vous plaît. Écoutez, j'ai reçu. Jarabi va couper le live. Je vous préviens en même temps. Ok. Soldat, il faut parler. L'erreur est humaine et il s'est présenté qu'on l'a filmé. Bonsoir, tu connais la honte de ça? On te filme, tu es en train de demander pardon. On est tous des pécheurs dans ce live. On a péché devant Dieu, mais Dieu nous a pardonné. Elle est qui? On demande pardon, elle veut pas. C'est pas elle, c'est pas David. C'est pas qu'elle est qui? Tu sais pas si elle se direct. Faut fermer ta bouche, on parle aussi. On lui a demandé pardon. Il n'y a pas quelqu'un. Même il y a des mamans. Moi qui suis là, je suis rentré dans son PVM, m'a bloqué. Je l'ai appelé sur son numéro. Mais Michel, il y a quelqu'un. Quand tu es rentré dans son PVM, tu l'as pas insulté par là. Parce qu'apparemment, il y a des gens qui rentrent dans son PVM. Jamais, je peux te faire capture. Moi, puis David, là, on s'entend bien. Quand les gens qui sont là, il m'a bloqué. Je l'ai appelé, on s'entend bien. Mais moi, il faut savoir que Jarabi, la fille a bloqué beaucoup de personnes, les gens sont partis demander pardon et elle bloque tout le monde. Attends, Michel va parler, Ali, s'il te plaît. Michel, donc tu vois, je l'ai appelé, j'ai dit, ah, ma chérie, j'ai dit, David a pardon. Je l'ai envoyé un message d'abord, elle ne répondait pas. Elle m'a dit, vu, elle ne répond pas. Je l'ai appelé, elle m'a bloqué. Tu vois, Nel même là, pour rigoler, Nel dit, c'est pour ça que t'as bloqué, t'as loupé. Tu vois, on a rigolé, on a passé autre chose. Mais on te demande pardon. Le gars même, il s'est humilié. Il s'est mis en vidéo pour demander pardon. Tu es arrivé à un certain moment, elle doit écouter. Si elle n'écoute pas là, arrêtez de lancer live. Ne lui demandez plus pardon. Yannick là, c'est un homme, c'est un garçon. Il sait ce qu'il a fait là. C'est pas bon. On condamne tous. Mais s'il doit assumer, il doit l'assumer. On calme les secondes. Tranquille, tiens. Soldat, tu es là. Jarabi, moi je veux. Est-ce que soldat est là, s'il vous plaît? Est-ce que soldat peut parler? Ali va. Attends, Ali voulait. Soldat, vas-y. Voilà, parce que moi j'étais en communication tout à l'heure avec Séni. Quand elle est sortie de la préfecture, il m'a appelé. Il m'a dit franchement que la fille m'avait dit qu'elle allait retirer sa plainte aujourd'hui. Tu vois? Mais à cause de tous ces injures qui se sont passées sur le réseau et tout ça là, elle m'a dit que je ne peux plus appeler les Séni. J'ai dit à Séni, continue à insister. On ne sait jamais, elle peut accepter à la fin. Tu comprends? Mais là, moi je suis en train de parler en tant que père aussi. Parce que franchement, quelle que soit la personne, on peut jamais, même mon pire ennemi, malgré qu'on a fait nos bisous, on fait tout, même mon pire ennemi, il va jamais porter plainte contre quelqu'un. Parce que je sais, on connaît prison, comment c'est. Je suis allé en Suisse pour aller libérer mon propre cousin en prison. Je sais ce qui vivait là-bas, malgré que c'est en Europe, malgré que c'est une prison européenne. J'ai vu ce qui vivait là-bas. Il n'y a pas plus grande chose que la liberté. Maintenant, là, on sait que Yannick, il a un enfant. Moi, j'aurais appris que Yannick a un enfant. Je ne connais même pas l'enfant. Je ne connais pas Yannick. Il me s'est mis dans les mouvements parce que franchement, il n'y a pas qu'un fracas en prison. On peut régler ça à l'amiable. Maintenant, c'est bon. Le frère, il a un enfant. C'est lui qui s'occupe de son enfant. Vu que ça fait plus d'une semaine en prison, depuis dimanche, c'est nous-mêmes, c'est frère, ça même, on est devant essayer de faire quelque chose pour essayer de régler le mouvement. Donner l'argent même à peut-être Sini pour parler, comment on appelle ça, envoyer la route à Yannick. On fait ça pourquoi? On ne connaît pas Yannick. Quand moi, je suis Koyara, Yannick est bêté, on est très loin. Tu comprends? Je ne connais pas Yannick, je ne connais pas Davila, mais si on parle du sujet, c'est parce que c'est important. Là, je suis en train de parler en tant qu'un père. Il a dit quoi? Si quelqu'un connaît l'enfant de Yannick, on ne sait pas l'enfant dans quelle situation actuellement. Quelle personne m'a écrit en privé? C'est qu'on pourra faire pour l'enfant d'ici son pouvoir sortir de prison, on le fera. Il n'a pas dit que quelqu'un a cotisé pour l'enfant. Il dit, moi, il prend la garantie. Donc, mais ici, quelqu'un connaît l'enfant de Yannick, vu que c'est lui qui s'occupe de son enfant. Mais l'enfant, le papa en prison actuellement. Moi, il parle en tant qu'un père. Parce que si moi, il me couche à Crépa, et puis, il sait que je suis dans la merde. Il ne peut pas supporter que mon enfant n'a qu'à faire une journée même sans manger ou bien, il ne sait pas mon enfant dans quelles conditions. Voilà pourquoi moi, je suis en train de parler. C'est de ça que moi, je voulais parler. Je n'ai pas encore fini de parler, tu m'as appris par là. C'est que pardon n'a pas demandé à David là. C'est que pardon n'a pas demandé à David là. C'est quoi n'a pas dit à David? Tout le monde était du côté de David là au début. Tout le monde était de son côté. Tout le monde lui a donné raison au début. Tout le monde a donné raison à David là. Tout le monde. Mais c'est depuis l'affaire des prisonniers venus sortir dedans là. Joe, regarde, c'est de la vérité. Nous sommes humains. À part le pardon en Afrique, on n'a pas grand chose encore. La plus grande richesse chez nous là, c'est le pardon. Tiens, pourquoi on va s'emmerder?
La Soupaï, tu as quelque chose à dire? Comment on appelle ça, Alex? Vous j'entends rien, C'est qui parle? Calvin, Soupaï, j'entends rien. Je vais parler très rapidement. Okay, d'accord, attendez, laissez Calvin va parler, s'il vous plaît. Voilà, vous savez, on est tous sur TikTok, on a vu comment l'histoire s'est déroulée, même dans les lives de Pharmacoco, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Voilà, ouais. Même dit des propos à son encontre, pourtant il avait laissé tranquille, il a même demandé pardon dans ton live. Oui ouais. Voilà, il a demandé pardon, on a tous demandé pardon pour qu'elle laisse cette. Il pense que, franchement, pays là, il n'a jamais plus rien à faire en pays là. Parce qu'il y a beaucoup de choses plus importantes, hein. Mais c'est les conneries du méta. Quand il y a un petit qui sort, qui sort, qui peut pas envoyer les gens en prison. Non, mais champion, vous me jurez. Non, les gens n'ont rien à faire en pays là. Voilà, il plaît. Parce qu'elle est insultée à plusieurs reprises. Nous, on l'a demandé pardon pour Yannick à plusieurs reprises. Comme peut-être qu'elle connaît quelqu'un là-bas. C'est tout là, là-bas. Donc là, elle a suffi d'aller porter plainte. Ils vont t'emmener en prison pour un lien. À cause de. C'est dans l'aide de sa maçon qu'on l'a demandé pardon. Elle insulte Yannick. Elle a monté, c'est elle ne reconnaît pas ça. Devant nous, elle est insultée, Yannick. Elle ne reconnaît pas ça. Attends, j'ai devant ton tête. Juste quelqu'un. Calvin, elle a même dit que Yannick dort dans la maison inachevée. Ça, c'est si mon lèvre, elle a répété deux fois dans la maison. Elle ne reconnaît pas. Est-ce que là, ce pas, il faut parler après, je vais parler. C'est pourrable, quoi, franchement. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Ali, je m'entends? Oui, oui, on t'entend. Oui, on entend. Ok. En fait. Attendez, David, elle veut monter, elle veut monter. Elle veut monter. Moi-même, je ne sais plus c'est quoi je vais dire. Je ne parle pas, mais là, je ne sais pas. Il faut pas. En fait, non, okay. ça sert plus à rien de demander pardon à qui que ce soit. C'est ce que moi, je peux dire. Maintenant, là, de base, là, c'est de prier Dieu. Le parquet va décider, ou bien la justice va décider de ce que eux-mêmes décident comme amende pour Jean lui donner. Tu comprends? Bah, c'est eux qui décident l'amende. C'est pas elle qui décide l'amende pour eux. Okay. Tu vois? Maintenant, c'est que moi, je veux tout juste dire là. Cherchons les enfants de Yannick. Yannick a deux enfants, il n'a pas un enfant. Cherchons les enfants de Yannick, on science à eux. Dès que vous avez cotisé là, c'est que si faites un possible ou bien faites un effort, donnez ça à Yannick lui-même ou bien soit. C'est que de la manière que ça va se passer là. Même s'il est parti là-bas. Mais les enfants sont dans la main de qui? Il y a ça aussi. Voilà. Si c'est pas hier là. Non, je souhaite pas que quelque chose là arrive, mais c'est mieux que Jella soit. Donc, attendez, il va finir. Faut finir. C'est mieux que Jella soit dans sa main. Qui a donné à David là, pourquoi? Voilà, parce que ils ont demandé pardon à une première fille. Elle a accepté à cause de Dieu. Toi, on te demande pardon. Même Dieu, même qui est Dieu, là, on lui demande pardon, il accepte. David a veut monter. Bébé, ça va se la carte descendre. Vraiment, à cause de. Pourquoi il va descendre? Pourquoi il va descendre? Toi, il a fait arrêter ça. Non, Ali, il faut te calmer. Il faut te calmer. La place n'est pas terminée ou bien? Bébé, ça va, il faut rester. Tu restes ici. On te coûte la soupe. Si la soupe est finie. Moi, je ne suis pas venu pour Jean la mettre en palabre ou bien soit faire, essayer de faire palabre. Parce que je vois que tout le monde lui a demandé pardon. On lui demande pardon à cause de Dieu. Elle n'a qu'à retirer sa plainte. C'est tout. Elle est Dieu sur terre. Elle est Dieu sur terre. Tout le monde lui demande pardon à cause d'une seule personne. Elle n'a qu'à faire à cause de Dieu. Elle n'a qu'à faire. Non, attendez, elle est montée. Si elle a quelque chose à dire là, quand même, elle est montée là. Comment il s'est passé? Elle est trop forte sur le méta. C'est tout. Jean, c'est moi, il a éteint Yannick. Michel, pardon. Je te jure que ça. Wallahi. Michel, c'est un gros menteur. Calvin, c'est un menteur. C'est pourquoi je dis, je ne sais pas, parce que moi, je ne peux pas avoir deux téléphones, donc je ne peux pas envoyer. Dans le live même, ou même le même Yannick m'insultait. Calvin écrivait en commentaire. David l'a baisé. David l'a djandjou. Le même Calvin qui est là, qui dit, demande pardon. Là. Il ment. Bébé sans os. Comme ça m'a fait qu'on dit qu'il n'a jamais lancé la vie là. Yannick dans le même live. Non, Calvin, vous la laissez pas parler. Laissez-la parler d'abord. Parce que vous mentez. Calvin m'a toujours insulté dans les commentaires quand je suis Djandjou. Il a dit, si quelqu'un a WhatsApp, il donne mon numéro en live même là. Il a donné mon numéro, il a montré. C'est Calvin en train de m'insulter dans les commentaires quand Yannick est en train de m'insulter. Calvin, c'est Calvin, je suis Djandjou. Je suis dans le catalogue. On me baise. Que David m'a baisé. Il demande quel pardon. Il ment. Ils ont tous encouragé le gars. Ils ont tous encouragé le gars. David, vous faites à cause de tout. Il ment mal. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il raconte? Laissez-moi mettre les bêtises. Attendez, va finir. Comment va finir? On va en deux dieux. Attendez d'abord. Oui, il faut finir un truc. David, on t'écoute. Est-ce que David, elle est là? Ok, Calvin. C'est ce qu'ils ont dit. On dit toi-même, tu demandes pardon. Oui, ok, faut ok. Dans le live de Samasoko. Oui. Il y a un baba qui demandait pardon. Attends, va finir. Okay.
Moi, j'ai dit que je ne suis pas au courant de l'affaire. Hé, hey, Djarabi, à l'aise. Moi, j'ai dit que je ne suis pas au courant de l'affaire. Moi-même, David, là, je t'ai demandé pardon. Je t'ai demandé pardon jusqu'à dans le direct. Ok. Mais là, c'est raison parce que je suis avec elle, ou je suis contre elle. Le plus important, Davila, pardon. Davila. Davila, écoute, laissons tout ça là. Laissons sur le pardon. Mais c'est pas contre elle, dis-nous. Oui, le plus important, là, demandons pardon. Toi, tu vas se trimballer par tes quoi? Oh, demandons pardon. La mère qui demande en bas, ça fait quoi? Ça fait quoi si c'était mieux pour ton frère? Dis-le, c'est ton frère, non? Ça fait quoi si tu te demandes pardon de t'humilier pour ton frère? Attendez. Moi, je le connais d'Adam ni Dev. Mais pardon, demander d'Adam direct à mon maître. Moi, je ne le connais pas. Il a demandé pardon. Il nous a demandé à quand laisser affaire, à quand demander pardon. On s'est mis à lui demander pardon. Elle est David vient parler. Dès qu'on veut la répondre, elle descend en même temps. Darabi, tu nous respectes ton live. Quand elle monte la venue accuser l'homme là. Faut pas, elle va monter quand elle veut, descendre quand elle veut. Si elle veut ses yeux-là, Jésus-Christ, ça, c'est avec vous, elle va faire. Elle ne fait pas ça avec nous. Oui, si elle monte là, elle va tous Samasoko, pardon. Parce que quand elle voit que quelque chose ne l'arrange pas, elle monte, quand elle finit de parler, elle est venue m'accuser ici. Elle descend. Non, ma chérie. Elle est partie. Samasoko, pardon. Attends, calmez-vous, Ali, calmez-vous. Elle ne va pas venir. Mais attendez, elle va parler. Moi, mon lève là, bébé, ça, on s'était là. Tout le monde était là. J'étais le premier à dire Yannick demande pardon. Yannick dit demande pas pardon. Nous tous on a demandé pardon. Bébé ça quand c'est là, David est dans les commentaires. David mec c'est sa personne. On a demandé pardon. Et je n'ai jamais dit ici que je n'étais pas au courant de l'affaire. J'ai dit Yannick m'a appelé, ça fait une semaine. Il m'a dit non, qu'il appelle, c'est l'appel, qu'il y a convocation derrière pour lui. Mais ce n'était pas David qui avait posé ça. C'est Cynthia qui avait posé ça contre lui. C'est quand il est arrivé lundi qu'ils l'ont arrêté, qu'il m'a appelé, que David est dedans. J'appelais David. David, je l'ai appelé automatiquement. Dès qu'il m'a dit, Davila aussi est dedans, là, j'ai appelé. J'ai dit, Saint-Ela, moi, je ne la connais pas. Mais attends, j'appelle Davila. J'ai appelé Davila automatiquement. Donc, quand Davila me dit non, qu'on n'a pas demandé pardon, sorry pour ce qu'elle a avec Calvin, là, ça, c'est autre cas. Mais si moi, mon lève, bébé, sans qu'on s'est là, tout le monde est là. Moi, mais j'ai imposé à Yannick. Yannick n'a qu'à demander pardon. Bébé, sans qu'on s'est demandé pardon, tout le monde. Même Élisée était dans le lève. Élisée a demandé pardon. Donc, il ne faut pas venir s'asseoir ici. On ne peut pas venir te dire ce que tu dois attendre. Davila, il faut l'enfermer, chérie Coco. Aïe! Elle a déjà oui, enfermé. Attendez. Oh, pardon, même si on demande pardon, ça n'a pas servi à quelque chose. Ça sert à rien. Ma chérie, il faut savoir que la route, nous tous, on est sur TikTok. Personne n'est à l'abri. Tu vois, que tu sois en France, en Chine ou en Japon, personne n'est à l'abri. Demain, tu peux faire la même chose à quelqu'un. Tu dis petit truc seulement. Sache que nous aussi, on va s'asseoir au tournant pour t'attendre. C'est ça le problème. Faut mettre Yannick en prison. De toute façon, il ne va pas faire. De toute façon, Yannick ne va pas faire 6 mois là-bas. S'il a trop duré là, c'est 1 mois. De toute façon, il va sortir. Ce n'est pas 1 mois. Hein. Ali, ce n'est pas 1 mois. Il ne faut pas négliger. Non. Ce n'est pas 1 mois. Là, c'est au bail. On peut s'arranger. Il n'y a rien. Tu vois, c'est ce que moi non, j'ai mais dit. Ali, allez là. On ne peut plus lui demander pardon. C'est Dieu. En tout cas, c'est de trouver un avocat. C'est qu'elle est sûre. Trouver un gars qui peut gérer ça et puis il va essayer de sortir. En tout cas, on ne considère pas normal ce qu'il a dit contre la fille. On sait que ce qu'il a dit, c'est très désagréable. C'est pas normal pour une femme. Mais de base, quand on te demande pardon, tout un peuple te demande pardon. Ivoirien va t'attendre. Mais forcément, tu as fait ça à quelqu'un. Tout le monde va t'attendre. Ça, là, c'est pas bon. Tu devais être détesté à cause d'une seule personne. Attends, c'est pas, on dit c'est pas 1 mois, c'est 3 mois. Eh, hey, David. Même si c'est 1 an même, David, il n'a pas les faits. Elle a déjà fait ça à ma vie. Thomas Soko. Même moi, oui, allez, ouais, Cabral. Est-ce que l'affaire est toujours dans sa main ou elle ne peut plus gérer l'affaire? Attendez deux minutes, il y a quelqu'un qui est monté, mon vieux m'a parlé. Joe Papi, comment tu vas? Oui, ça va. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir.
Samasoko, c'est quel pardon? On a Damien Gang, Kabakon, c'est quel pardon? Demande encore si vous avez donné 1 million, c'est qu'il n'y a pas plus maudit que vous. C'est les Davila qui font ça. Et j'ai dit, je ne demande pas pardon. Moi, je dis, mes frères Davila. Davila, c'est à qui elle fait ça? Il a donné mes frères, Dieu n'a qu'à me tuer. Il n'a qu'à l'enfermer, il n'a qu'à le donner 20 ans. Il m'en fout. Qui est content qu'on dise pour elle? Aujourd'hui, où on est là, c'est les chichés. Faut pas dire ça, faut s'y assurer, bro.